Silence pour la France. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, hein, si je peux me permettre. Mais oui, bien sûr. Moi parti. Mais qui elle est, celle-là? Nous qui sommes sans passé, les femmes. Le fameux en même temps a montré qu'il était un, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette. C'est-à-dire ni recettes pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. 25 multiplié par 50, ça mais fait mais non, j'ai déjà utilisé 25, je ne peux pas réutiliser. Alors, c'est les sous, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, non? Mais non, c'est pas du... Arrête de vouloir me niquer sur ma mère. Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Est-ce que le port du voile, c'est féministe? Mais c'est enfin, je suis désolé. Allez-y, Raphaël Arnaud, allez-y. Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je pose cette question. Disais, monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe? Non, je vous explique. Ça veut rien dire. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Merde! Oh, c'est con ça! En fait, j'ai trouvé. Vous êtes un peu Premier ministre, du coup, mais sans lettres. Comme vous, vous êtes un peu journaliste, mais sans lettres. Un peu provocateur. C'est pas gentil, ça. Bah, même niveau d'amabilité que vous. Fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais... pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. Bon, j'ai entendu parler de lui, mais certains, c'est un raciste, quoi. Certains ont... Alors la guerre froide, je dirais que petit A, c'était en hiver, petit B, c'était aux alentours de 0 degré Celsius, et en conclusion, je dirais qu'ils auraient mieux fait de porter des doudounes.